Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les emplacements des nouveaux grappins. Donc pour l'instant, ils ont été désactivés de Fortnite, mais je vais quand même vous montrer leur emplacement. Donc là, je vous affiche une map avec tous les emplacements des lances des grappins, voilà, de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc vous les trouverez à ces emplacements-là, vous pouvez voir qu'il y a un gros symbole de grappins. Et en fait, dans cet emplacement-là, il y a deux boîtes. Enfin, principalement, il y a deux boîtes hein, à outils, en fait. C'est des boîtes de grappins, mais c'est des boîtes à outils violettes. C'est comme les boîtes à outils rouges, sauf qu'elles sont violettes. Et quand vous ouvrez les boîtes à outils violettes, vous avez 80% de chance de tomber sur un grappin. Donc voilà, tous les emplacements que je vous ai montrés, c'est des emplacements fixes. Vous avez 80% de chance d'en trouver. Donc, ça va pas être trop compliqué. Donc, pour vous montrer maintenant comment ça s'utilise, je vous affiche un gameplay directement de HiFireMonkey. Donc, qui les utilise parce que, tout simplement, comme ils sont désactivés sur Fortnite, je peux pas vous les présenter. Donc voilà, je vous affiche ce petit gameplay qui dure un petit peu une minute, je crois. Et où il vous montre comment les utiliser. Donc regardez, on voit bien que c'est les boîtes à outils que je vous ai dit, hein, ça ressemble à des boîtes à outils rouges, sauf que c'est des boîtes à outils violettes. Donc là, il en a récupéré un. Il y a 10 utilisations. Je suppose que ça fonctionne comme les gants de Spider-Man. Hein. Donc vous vous attachez à un emplacement, à un arbre ou à n'importe quelle structure. Et ensuite, vous volez comme les gants de Spider-Man. C'est vraiment la même chose. Donc pour l'instant... ils sont désactivés, on peut les trouver dans le mode arène apparemment, parce que là il est en mode arène, mais je pense qu'il y a un problème sur Fortnite, donc ils les ont désactivés parce qu'ils n'apparaissaient qu'en mode arène ou alors en mode construction, et normalement ils doivent apparaître en zéro construction et tout ça, donc là ils sont en train de vérifier, normalement dans une heure ou deux, ils seront de nouveau disponibles. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulomec et ciao. Peace.